Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une super semaine. Ça y est, c'est les vacances. Bon, bah, moi ça fait un moment qu'on est en vacances. Hein. Aujourd'hui, on va vous proposer, Mamad et moi, une vidéo particulière comme tous les dimanches. Et cette fois-ci, j'aurai pas pour partenaire, j'aurai pas mon fils Noam, j'aurai Sofiane qui est mon élève depuis 12 ans. Vous allez voir, c'est pas mal non plus. On va voir ça tout de suite. Vous savez très bien, ou peut-être vous ne le savez pas, mais dans la boxe, il n'y a aucune science exacte. En revanche, il y a des techniques très particulières qui provoquent instantanément le chaos. Alors, on va voir quelques techniques qui provoquent instantanément le chaos lorsqu'elles sont données, bien entendu, dans le temps, au bon moment, ce qu'on appelle l'efficacité absolue, ce qu'on appelle l'anticipation, ce qu'on appelle la cible du bon moment, ok? Donc, on va voir la première. Là, par exemple, Sofiane, il va mettre un crochet du droit au visage. Boum! Ok, je vais venir parer. Ici, je pars et ici, je rentre avec le coude sur la pointe du menton, ici. Et là, sur la pointe du menton, inévitablement, il tombe KO. Pourquoi? Parce que je viens piquer une zone sensible du corps. Pas sensible, très très sensible du corps. C'est un point vital, ce qu'on appelle le menton, la pointe du menton. Donc Sofiane, il met un crochet, je protège, je bloque. J'avance légèrement et là, je viens piquer. Donc, je fais un peu plus vite. Encore. Et là, je vais aller tout doucement. Je vais décomposer le mouvement ici. Il me met un crochet. Je me protège. Là, j'avance légèrement. Je prends bien appui avec le sol. Et là, directement, dès que j'ai fini de bloquer, je viens piquer le menton ici. C'est le crochet. Un, deux. Et je reviens. Ça, c'est la première technique. Donc, on va avoir une deuxième forme de KO. Alors, il y a des KO instantanés, c'est des KO où on perd connaissance. Ce sont des KO, bon, c'est des KO quand même terribles, hein. C'est que on appelle ça la lumière, elle s'éteint. On perd connaissance, ça veut dire qu'on tombe par terre et on perd complètement connaissance. Ça veut dire que, comme si on dormait, comme si on était anesthésié. Là, on va faire c'est un autre KO, une autre forme de KO, c'est ce qu'on appelle un KO technique. Sofiane va m'envoyer un middle, là. Bam, je vais venir saisir et là, il s'attend à ce que je lui mette une droite au visage, non, je vais aller travailler son plexus ou le foie. Je vais mettre une grosse patate, une grosse droite, bam, dans le foie, ici. Et j'essaie de le faire une fois, voire deux fois. Ici, un, deux, ici. Bon là, normalement, il y a le KO. Alors, c'est une technique qui marche terriblement, elle marche. C'est une technique que mon élève à l'époque, Jean-Charles Skabowski, avait fait lorsqu'il avait boxé Kamel Mayouf. Il avait saisi le middle, il avait fait une feinte en haut, il avait mis une droite au corps, son adversaire était tombé KO. C'est ce qu'on appelle un KO technique. Ça veut dire technique, c'est-à-dire vous êtes conscient, mais vous ne pouvez plus vous lever parce que vous avez les jambes coupées, vous ne pouvez plus respirer. On recommence sur le middle, là je suis là, voilà, je suis là, pam, pam, ici, pam, pam, ici. Voilà, c'est un KO. De ce côté-là, il m'envoie le middle ici, je vais venir saisir, et là, sans jeter la tête, je vais venir piquer. Alors, ce qui est intéressant, c'est essayer de piquer la région de l'estomac et du foie. Vous voyez ici, là, ici, bam, bam, vous pouvez en faire plusieurs, hein. Ok, un peu plus vite, on est là, ici, ok. Là, on va faire ce qu'on appelle, alors, le KO, c'est quoi? Le KO, d'une manière générale, c'est un coup qui est arrivé et que votre cerveau n'a pas enregistré. Le fait qu'il n'ait pas enregistré, et ensuite vous avez été piqué dans un endroit vital du corps. Ça peut être le menton, la tempe, les méninges, la carotide. Voilà, c'est un coup que votre corps, que votre cerveau n'a pas eu le temps d'enregistrer. Il ne l'a pas vu venir. Et donc là, vous faites un KO instantané. Et donc, il y a les KO techniques. KO technique, c'est-à-dire que vous êtes conscient, mais vous ne pouvez pas vous lever. Là, on va faire un KO instantané. Et là, c'est ce qu'on appelle le KO simultané. Là, Sofiane est en train de boxer ici, il me fait un low kick. Bon, et là, j'ai vu qu'il a baissé un peu trop les bras. Et là, je me rends compte que à chaque fois qu'il met des coups de pied, il baisse le bras. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre qu'il shoote, je vais attendre qu'il me mette un coup de pied et je vais le contrer simultanément. Parce qu'il va être concentré sur ce qu'il fait, il ne va pas être concentré sur ce que moi je vais faire puisqu'il est en pleine action. Donc, il est concentré sur son action à lui. Et là, vas-y. Et je vais kick direct. Voilà, il me l'a fait une fois, deux fois, il a pris confiance.
Et là, il se sent en train pour commencer un petit peu à accélérer et tout. Et c'est là que moi, je vais le piquer. Parce que j'ai vu qu'il baissait les bras et là, bah, high kick direct dans la tête. Bah, en même temps, chut. Bah, boum. Bah, boum. Quatrième KO. Alors, c'est ce qu'on appelle des KO où vous gardez connaissance, mais vous ne pouvez plus vous lever parce que vous avez trop mal. Trop mal, donc vous êtes obligé de vous mettre au sol. C'est ce qu'on appelle un KO technique. Ici, par exemple, Sofiane, il m'envoie un direct du gauche. Bam, bam, je fais le premier low kick. Il m'envoie un direct du gauche. Et j'envoie des low kicks. 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 Au bout du 7e, 8e, 10e, il ne peut plus marcher. Et là, ça fait plusieurs coups que je donne, plusieurs coups, l'âge de feinte, et là, d'un coup, bah, et là, il peut plus se lever. Là, par exemple, on va faire ce qu'on appelle encore une fois, c'est un KO, mais c'est un KO où vous restez conscient. Mais vous ne pouvez pas respirer, en fait, ce qui se passe, c'est que vos jambes ne vous tiennent plus. Vous avez un besoin vital de vous retrouver au sol pour récupérer, mais plus longtemps que les 10 secondes accordées. Donc, par exemple, là, Sofiane, il rentre sur moi. Et là, je vais le planter avec le genou. Donc, ce qui se passe, c'est que Sofiane, il va vouloir rentrer sur moi pour essayer de m'asséner un coup. Ça peut être un coup de poing, un coup de pied, un coup de genou, un coup de coude. Et moi, ce que je vais faire, je vais le prendre en contre. En contre avec la pointe de mon genou et je vais viser l'estomac. Le plexus solaire, c'est la petite boule ici, ensuite vous avez l'estomac. Il est là, et là, boum. Ah, direct, sans, boum. Là, je rentre. Ici, et je rentre. Et je rentre. Et je rentre. Et là, maman Sofiane y rentre, et là je vais venir le piquer bien avec la pointe de mon genou. Alors la pointe du genou, ça s'appelle, dans le jargon médical, ça s'appelle le lapex. L'apex, c'est la pointe, carrément la pointe de la rotule qui va venir piquer cette région du corps. Ça s'appelle, donc là c'est le plexus solaire, et ça c'est, ici vous avez l'estomac, ici vous avez le foie. Ok. Et là Sofiane il va venir rentrer, et là je me plante. Boum. Ok. Merci Sofiane. Merci Henri. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de la partager. Merci pour vos très 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 sympas messages que je lis. Croyez-moi, je les lis tous et vraiment ça me fait chaud au cœur. Merci, merci. Vous pouvez nous retrouver donc sur YouTube. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis, de vous abonner, c'est très sympa. Je suis également sur Facebook, pardon, et également sur Instagram. Je vous souhaite une super semaine. Pour ceux qui partent en vacances, bonnes vacances. Pour ceux qui restent pas, bien fait. Non, je déconne. Ok, je vous souhaite une très très bonne semaine. On se retrouve dimanche prochain, même heure, même endroit. Voilà, c'est génial, comme tous les dimanches. Merci, merci, merci. On kiffe. Vive le Muay Thai, vive la boxe, vive la vie. Muay Thai, mon vôtre.